nous étions très inquiets. Nous avons eu trois séries d'agressions extrêmement violentes et graves au préjudice de couples qui se trouvaient dans des voitures et qui, à ces occasions, étaient agressés avec des vols à main armée et des viols assez sauvages, si tant est qu'un viol puisse être plus sauvage l'un que l'autre, mais enfin tout de même quelque chose de violent au préjudice de ces couples. Le parquet a joint les trois affaires et a saisi du tout le commissariat. Puis il se trouve que la DTPN avait déjà deux affaires et la dernière qui était en gendarmerie, deux de ces trois affaires et la dernière qui était en gendarmerie, a été jointe aussi à la division des investigations spécialisées de la DTPN de Martinique. Moi, je n'avais qu'une crainte, c'était qu'ils se reproduisent et que nous ayons de nouvelles victimes. Nous avons depuis ce matin deux personnes en garde à vue. Qui sont effectivement, qui correspondent en tout cas aux cibles que les enquêteurs avaient visées et qui ont été interpellés ce matin à 6 heures.